Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi 20 avril 2021 des suites de blessures reçues au front alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès. Ce mardi 20 avril 2021, du maréchal du Tchad, indique le communiqué. Idriss Déby, 68 ans, militaire de carrière, est arrivé à la tête du pays en 1990 à l'issue d'un coup d'État. Promu au rang de maréchal en août 2020, Idriss Déby Itno venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires annoncés lundi 19 avril 2021 par la Commission électorale. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous. Un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno est mis sur pied pour une période de 18 mois.